I think this event and this exhibition of Jacob McFarlane is exactly what we look. It is to show the creativity, which is also today in France, not only in France, but also in France, but also this exchange and the creativity also in connection with the digital technologies, but also this openness and this hospitality. What is really important finding is what you experience really, and that's why the work here is having these big photos trying to bring you to the experience of these projects, and at the same time having this lecture on how we were the concept, having this digital guide which are from the beginning back to the end and to the next steps. Where are we going? That's what's really exciting. It's always, you know, where we are now and what's around the corner. And I think those questions are what keeps us all alive. Un des 8 projets que nous présentons à l'exposition Augmenting the Invisible à la galerie Aides à Berlin est la Cité de la Mode et du Design. C'est la restructuration des magasins généraux du port autonome à Paris. C'est un bâtiment industriel qui avait été réalisé en 1907, c'est un des premiers bâtiments en béton armé de Paris. Notre intervention sur ce bâtiment a été de respecter cette structure et on y a installé ce qu'on appelle un plug, c'est une structure métallique qui naît d'une arborescence. On est reparti de la trame du bâtiment existant et de chaque point, on a un système, 7 lignes qui crée un volume. Donc on a finalement le volume du bâtiment initial qui est augmenté par ces arborescences en volume qui viennent devant la scène, qui viennent devant le toit et qui amènent des circulations le long du fleuve, mais des espaces complémentaires sur le toit. Mais c'est en fait plutôt un dialogue entre le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle.